Non, et du coup, De mémoire d'ouvrier, c'est un film qui a bien marqué les gens dans le coin parce qu'ils se sont vus dans ce film-là et ça raconte, c'était toujours un peu le principe de mes films, c'est de partir d'histoire locale et puis de parler un peu à tout le monde. Ouais. Tous les gens qui sont concernés par le monde du film. Ouais, carrément. Carrément. Non, puis il y avait aussi, là, à l'époque, on s'était intéressé un peu à la représentation des ouvriers dans le cinéma, qui est dramatique. En termes de à l'époque, il y avait ils sont soit alcooliques, soit violents, soit et puis surtout c'est qu'ils représentaient à l'époque 19% je crois de la population et ils occupaient 2% de l'espace médiatique quoi. Et ça s'est pas beaucoup amélioré parce que j'ai regardé le rapport de l'Arcom, non, l'Observatoire des inégalités qui est sorti là-dessus, la représentation des employés et ouvriers. C'est toujours catastrophique. Là, c'est des chiffres de l'année dernière, hein, c'est pas vieux. Là, c'est 72% de l'espace médiatique qui est squatté par les CSP+, et les chefs d'entreprise. Voilà, alors qu'ils représentent, je crois que c'est 12% de la population. Et donc voilà, donc on a une image de la France au cinéma et à la télé qui est complètement tronquée. Et c'est ce qu'on dit dans le bonus, c'est Gérard Mordillat qui dit ça. Ouais. Il dit si un extraterrestre arrivait en France aujourd'hui puis qu'il regardait la télé, il se dirait la France est peuplée d'avocats, de notaires, de flics, de médecins, de psy, beaucoup de psy dans le cinéma français. Ça c'est moi qui le rajoute, mais et puis avec ils habitent tous à Paris dans des appartements avec des plafonds plutôt hauts et ils ont vu sur la Tour Eiffel. Heureusement, il y a quand même des réalisateurs comme Guédignon qui nous montrent notre vision. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, mais dis donc. Mais même par rapport à la télé et au temps de parole, une sorte d'équité du temps de parole, c'est Bourdieu qui avait fait un travail en disant je ne vais pas donner le même temps de parole à quelqu'un qui est un journaliste, qui est familier de l'outil télévisuel, à un ouvrier qui a plus de temps à s'exprimer, à formaliser, mettre en forme sa pensée et tout ça, donc je vais lui donner plus de temps, parce que ce n'est pas son outil. Et donc l'équité, elle passera par une sorte d'inégalité comme ça, c'était assez intéressant. Mais il avait assumé le propos en disant que pour être égalitaire, il fallait être inégalitaire. Voilà, c'est ça. Évidemment, parce que sur la ferme des Bertrands, ou même de mémoire d'ouvrier, je veux dire, vous l'avez vu la ferme des Bertrands? Typiquement, quelqu'un comme André Bertrand, l'ancien dans le film, si tu lui donnes le même temps que... un sociologue de l'agriculture qui a l'habitude aux médias et tout, il est mort, on va dire, le pauvre vieux. Ouais, lui, je sais pas si c'est le meilleur exemple, parce que je trouve qu'il s'exprime particulièrement bien. Oui, mais en même temps, quand tu le vois, quand tu le vois à l'image, qu'il est mal coiffé, la moustache de travail, mal habillé, vieux là, qui n'a jamais bougé de son village, la première réaction des gens, même s'il commence ses premières phrases, on va dire, le pauvre vieux... Il y a déjà du jugement, quoi. On l'écoute pas, quoi. Oui. Et du coup, quand tu lui donnes du temps, les propos, c'est brillant. C'est pareil pour les ouvriers, parce que c'est faux de dire que les ouvriers ne savent pas parler, etc. Parce que quand même une culture ouvrière. Il était issu de la culture ouvrière, donc il y avait une bibliothèque, il était agent EDF, et il avait une bibliothèque, donc il n'avait fait aucune étude, mais il était très cultivé. Ouais. Il pouvait sortir des discours tout à fait cohérents et pertinents sur une situation. Ça s'est un peu perdu d'ailleurs, ouvrière. C'est les CE qui faisaient ça, on a démantelé les CE. Les CE, au lieu de faire de la culture, on est bien placé pour en parler. Ils vendent des tickets pour Disney ou pour des trucs, et donc on a perdu. On tient encore les tournées culturelles à la CCAS, mais c'est pas la majorité. Oui, complètement. Il y a eu une transmission qui s'est pas faite, il y a eu une génération comme ça qui a. Une société qui a changé et une génération qui n'a pas hérité de ce flambeau-là, quoi. Dans De mémoire d'ouvrier, il le dit très bien, Marcel Hénard, à un moment donné, il dit on les a trop gâtés et pas assez éduqués. Alors il est dur parce que ces enfants, je les connais, parce que ça va, ils ont quand même cette... Mais c'est vrai qu'on a cédé un petit peu à la facilité, que des fondamentaux du savoir pourquoi on vit ensemble, pourquoi c'est quoi la sécu, c'est quoi... Tu vois, la non-transmission de l'histoire de la sécu, moi, ça a été plusieurs années de ma vie que j'ai consacré à ça, mais c'est dramatique, quoi. Quand tu vois ce que la sécu rend comme service, comme elle a amélioré de la société, comme on a augmenté l'espérance de vie, comme ça a soutenu des familles et tout, il n'y a rien de plus beau et de plus humaniste que les jeunes ne,
n'est pas un cours là-dessus, par exemple. Et là, ils viennent de le supprimer, la bande à Macron, là, dans les derniers programmes d'histoire. Il en restait un peu, ils viennent de supprimer ça. Quoi, sur le CNR, sur la ouais, sur Croisade, CNR, aussi, sur la Sécu, sur les histoires de cotisations sociales. D'accord, ok. Et donc, il n'y avait déjà pas grand-chose, mais là, il y aura encore moins que rien. Et donc et ça, c'est les macronistes, hein, je ne parle pas du RN. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de... Mais c'est... Donc, du coup, c'est dommage, parce que cette histoire de la Sécu, en plus, c'est une belle histoire, qui n'est pas dure à raconter. Et c'est fait exprès, bien sûr. Clairement. Non, puis L'histoire des luttes sociales n'a jamais été très mise en avant. Moi, je sais pas, dans mes cours d'histoire, CNR, j'en avais jamais entendu parler, les jours heureux non plus. C'est pour ça que j'ai fait tout ce programme. Voilà. Donc c'est. Non, mais là, c'est intéressant parce que même en dédicaçant comme ça, chronologiquement, on avance dans ta filmo et là où on s'est rencontrés, c'est-à-dire sur les tournées CS où c'était pour les jours heureux, je crois, ou la sociale. Les jours heureux, je crois. C'était les jours heureux. Les jours heureux, typiquement, c'est mon cheminement, c'est ça. C'est on parle des ouvriers. Déjà, dans des mémoires d'ouvriers, on parle d'Ambroise Croizat parce qu'il est né dans cette vallée-là. Ambroise Croizat, qui était ministre du ministre communiste du travail. Du travail et qui a mis en place. Le gouvernement provisoire, non ? Oui, c'est ça. Le provisoire, non, après-guerre. Non, d'après-guerre. D'après-guerre, oui. Et donc c'est en 8 mois, ils mettent, grâce à l'impulsion des communistes et de Croizat, mais évidemment de millions de gens syndiqués à la CGT, puisque la CGT est seule et à la barre pour mettre en place la Sécu. En 8 mois, ils mettent en place la Sécu. T'imagines le chantier aujourd'hui si tu disais on va faire la Sécu. Et en fait, là, et en Ambroise Croizat, personne ne le connaît. Ouais. Et moi, après, je fais ce film Walter Retour en Résistance, où on parle du CNR aussi dedans. Je donne la parole à... Tu rencontres Stéphane Hessel ? Non. Ouais, je suivais Walter, qui est un voisin aussi, parce qu'on parlait de partir toujours du territoire. Et puis Walter, je connais depuis que je suis gamin, je savais que c'était un déporté, mais moi déporté je savais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est Walter Bassan, ouais. Bassan, c'est ouais. ça. Et du coup je fais un portrait de lui et on se met à évoquer le programme du Conseil National de la Résistance que personne connaissait. Et à ce moment là Sarkozy vient au plateau des Glières alors qu'il n'était pas tout à fait élu, 2 jours avant son élection, avec 2/4 de journalistes, mais les anciens résistants n'étaient pas invités. Et là, je ne sais pas si vous vous remettez dans l'époque, c'était la sarcophilie, comme Macron quelques années plus tard, enfin bon, toute la presse derrière. Et donc on décide de faire un rassemblement contre cette récupération de l'histoire par Sarkozy, qui avait un programme déjà ouvertement qui tournait le dos au programme du Conseil national de la Résistance. Et là, ce rassemblement qui maintenant a lieu depuis 17 ans, ça a pris pas mal d'ampleur. Et la deuxième année, on s'est dit, on va refaire quand même quelque chose. Et on fait venir Stéphane Hessel, que personne ne connaissait. Et il fait son discours sur l'indignation et sur les motifs de base de l'indignation, de la résistance, qui est l'indignation. Et du coup, quand mon film sort, l'éditrice indigène, elle découvre Stéphane Hessel et ses propos sur l'indignation, elle m'appelle. Ils font un verbatim, mais ça devient le bouquin Indignez-vous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait évoqué par la bande le programme du Conseil national de la Résistance. Là, c'était pas le sujet principal du film. Je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose, un film entier là-dessus, parce que ça mérite d'être raconté, cette histoire-là. Ouais. Donc, les jours heureux. Après, dans le programme, la mesure phare du programme du Conseil national de la Résistance, c'était la Sécu. Donc, tu as fait la... Donc, après, du coup, j'ai fait la sociale. Ouais, donc, la sociale. Non, mais c'est un film en appel un autre. Et des rencontres... moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce parcours, dans ton parcours, c'est que les films, quelque part, sont actifs. C'est-à-dire qu'ils ont, une action, ils ont un impact sur le réel, sur ce que ça crée. Tu vois, tu parles de la rencontre avec Hessel, l'indignation, indignez-vous. Ouais. Ce que le relais que ça a pris et l'important. C'est-à-dire que ce n'est pas un cinéma sous cloche ou un cinéma militant dans son coin. Moi, je fais des films d'histoire, c'est pour que ça questionne le présent. Je veux dire, j'aime bien l'histoire, mais je viens pas de ce... J'ai pas fait d'études d'histoire, j'ai pas là, mais je. J'ai pas dit que tu avais fait des écoles d'ingénieur, et t'es venu au cinéma un peu. Là, tu vois, j'ai aucune raison d'être là sur le papier. Je veux dire, moi, je suis fils d'ouvrier en Haute-Savoie. Chez moi, il y avait pas un bouquin. Je suis allé au cinéma quand j'avais 14 ans la première fois, voir des films populaires. Mon premier film à réessayer, je devais avoir 25 ans, Donc je me forme sur le tas avec tout ça, et c'est vrai que l'histoire est venue me percuter par ces rencontres avec ces gens de ma vie, et que j'aurais jamais pensé que j'aurais
accompagné Raymond Aubrac jusqu'à la fin de ses jours, où on passait se voir, on était copains avec SL, avec tous ces gens-là. Donc beaucoup de chance, mais en même temps qui m'ont inspiré sur le fait que tu... que l'histoire, c'est pas mort. Oui. L'histoire, c'est pas à mettre dans du formol, parce que leur réaction de jeune homme à l'époque, les collusions à l'époque entre les pouvoirs, entre le plutôt Hitler que le Front Populaire, par exemple, si on veut parler de ça aujourd'hui, tout ça, les réactions humaines, c'est pas parce que ça a 80 ou 90 ans, c'est toujours pareil. Et donc, du coup, il faut... Mais c'est ce qu'on avait oublié, j'ai l'impression, ce qu'on a oublié aujourd'hui. C'est-à-dire que les cours d'histoire et mettre l'histoire dans des livres d'histoire et des plus jamais ça et des choses comme ça, c'est la mettre dans du formol et se dire on a c'est derrière nous quelque part. Et aujourd'hui, on a une réalité, un présent, une actualité qui nous revient dans la gueule et qui nous rappelle que non, ces combats-là, c'est pour ça que les personnes que tu as rencontrées aussi, c'est des personnes qui ont une sorte de droiture. Oui, de droiture, puis d'engagement politique qui ont fait qu'ils savaient pourquoi ils se battaient. Et c'est justement cette histoire-là qu'on n'a pas racontée sur la résistance. On a raconté l'histoire de ces gens courageux qui se sont battus, mais on n'a jamais raconté pourquoi ils se battaient. Et ça, quand tu brasses ça, là, ça a fâché énormément de monde dans le pouvoir politique. Ces films sur la raison politique comme et l'histoire du CNR. Comme qui, par exemple, La droite, évidemment, Sarkozy, la droite gaulliste. Mais la gauche socialiste, traître, la gauche, ceux qui ont... La mouvance Strauss-Kahn, quoi, ceux qui ont basculé dans le macronisme avec une aisance, ils attendaient que ça. Donc, et donc là, ils sont pris en porte-à-faux sur leur propre histoire, parce que les socialistes, ils ont aussi participé au CNR. Tout le courant social-démocrate. Et donc cette histoire-là, ça les bouscule et ça montre que c'est par la conviction, c'est par le groupe qu'on arrive à faire changer les choses. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime bien raconter. Mais en face de nous, on a des gens qui veulent surtout pas politiser l'histoire pour dire ils étaient forts, ils étaient courageux, il y a le devoir de mémoire. Et puis c'était avant et c'était bien. Mais surtout, vous embrassez pas ça, quoi. Et moi, j'en peux plus parce qu'en Haute-Savoie, on est une terre de résistance et tout, et des hommages, et des Sarkozy, et des Macron, et des machins qui viennent remettre des médailles et faire des cérémonies et tout, mais qui ne questionnent pas le présent par rapport à ça, c'est abominable. Parce qu'en fait, c'est. Moi, les résistants que j'ai côtoyés, je veux dire, s'ils voyaient ce qu'on fait de leur histoire, ils leur foutraient des coups de pied au cul, quoi. Et donc, moi, je me sens un peu un devoir aussi de continuer de raconter ça, puis même par rapport à eux, par rapport à Walter, par rapport à SL, par rapport à Aubrac, par rapport à Chambéron, avec qui j'avais des super relations, qui était quand même secrétaire du Conseil national de la résistance. C'est des mecs qui m'ont transmis, en disant, mais faut raconter cette histoire-là, nous c'est pour ça qu'on s'est battus, les médailles, les pistolets, les machins, on s'en fout. Nous, le combat de notre vie, c'est le projet de société, un projet de société plus juste, plus égalitaire, plus fraternel. Et donc moi je me fais un devoir de, même quand ça va mal, de garder de l'optimisme et puis de dire bon, eux c'était encore bien pire et puis finalement ils nous ont créé quelque chose de beau, quoi. Oui, mais tu vois bien que tu rentres aussi en tant que documentariste dans le présent et dans les jours heureux, si ma mémoire est bonne, tu filmes des politiques. Donc t'es face à des gens qui sont des animaux politiques, qui savent très bien qu'ils sont filmés, qui savent très bien que leur propos va être repris, qui savent très bien que tu peux être un instrument ou un ennemi. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça et quel est ton regard? Parce que je pense que t'es pas naïf. Où est ta place, quoi, quelque part, tu vois? Ma place, c'est de les interroger, de les mettre devant leurs contradictions. À partir du moment où eux s'approprient une histoire à leur profit, puisque comme tu dis, c'est des animaux politiques, tu dis, ok, tu veux t'approprier l'histoire, maintenant, est-ce que tes faits, est-ce que tes choix de vote, c'est en adéquation avec ce que tu récupères? C'est cohérent, quoi. Voilà, il faut être cohérent. Et c'est vrai que malheureusement, ça sonne un peu le creux. Entre ceux qui connaissent pas de toute façon cette histoire-là, mais qui mentionnent quand même les jours heureux, la résistance, le machin, mais qui connaissent pas, et ceux qui trahissent complètement cet héritage-là dans les faits, il reste pas grand monde qui a gardé le cap dans cette affaire-là. C'est ça, oui. Parce que moi j'ai un souvenir aussi des gens qui étaient assez, de politiques que tu interviewais, qui étaient assez forts historiquement, c'est-à-dire qui connaissaient vraiment l'histoire du pays, mais en même temps dans les faits, dans les positionnements, qui étaient De toute façon, je veux dire, le programme du Conseil national de la résistance, c'est un programme qui redonne du pouvoir à l'État et aux politiques. Et donc, on désarme
le patronat sur des secteurs d'activité qui doivent appartenir au commun, qui doivent appartenir à tout le monde. Donc c'est le politique qui reprend la place, qui reprend du pouvoir. On nationalise l'énergie parce que c'est trop important pour que ce soit confié au privé, parce qu'il y a une question de survie. On nationalise les banques parce que ils savaient ce que la finance avait généré comme problème quand ça va pas, et puis on fait la sécurité sociale et on prive toutes les assurances privées et tout de faire du business sur la santé, sur les retraites. Donc c'est l'État qui reprend sa place, et c'est à travers l'État, c'est le citoyen qui reprend sa place et qui reprend du pouvoir. Donc dans les années, à partir du moment où le néolibéralisme arrive, c'est évident que naturellement c'est ce programme-là qu'il faut désinguer, quoi, avec plus ou moins d'honnêteté de le reconnaître ou pas, selon les politiques. Et c'est vrai que même les socialistes qui arrivent au pouvoir dans ces années-là, ils sont tellement pris dans l'air du temps, ils veulent tellement montrer qu'eux aussi ils sont des bons gestionnaires, qu'ils savent faire dans cette modernité de la mondialisation, etc., qu'ils vont être des fois plus royalistes que le roi au niveau des privatisations et au niveau des actes, quoi, politiques. Ça, dans la sociale, tu parles de ça, tu viens sur l'actualité, j'ai plus le souvenir. Oui, dans la sociale, ouais. Il y a une scène qui est quand même, pour moi, assez mémorable, parce que ça reste des bons souvenirs, conflictuels, mais mon souvenir, c'est quand on est dans le bureau de François Rebsamen, qui est ministre du Travail, ouais. Et qu'on n'avait rien à faire là, mais qu'on avait quand même combiné, on s'était dit qu'il allait revenir. Vous l'avez vu, la sociale ? Ouais. Et où justement il débarque et que je le coince en lui demandant s'il connaît le nom du fondateur de la sécurité sociale. Ah, mais oui. Qui est ministre du Travail, et qu'en fait il ne sait pas comment se dépatouiller. Et quand je le débusque, en fait, il ne sait rien dire d'autre que pour moi, à la libération, il n'y avait qu'une seule personne, c'est le général de Gaulle. Le mec, un mec qui est ministre du Travail et qui se dit socialiste, toi, c'est quand même pitoyable. Ouais. Donc il se met en colère, évidemment, il nous fout dehors du bureau. Et tout. Mais c'est des petits moments qui sont intéressants sur l'aspect cinématographique, parce que ça met du rythme, ça met de l'attention, et puis tout ça. Mais en même temps, ça en dit quand même long sur ce qui est devenu cette tendance-là du PS, qui sont aujourd'hui les Hollande, Le Foll, enfin toute cette bande-là. Quoi, tu vois. Et donc j'aime bien, moi, quand il y a une séquence qui, même si les mots sont pas dits et comme ça, ça raconte tellement la dérive de. Mais Hollande, c'est dans la sociale où tu l'interviews? Non, dans les jours heureux. J'avais reçu à l'Élysée. Ça, c'est vrai que c'était. Donc, on va se souvenir. Reçu à l'Elysée le jour de la mort de Stéphane Hessel, donc en février 2013. Et Hollande, j'étais le premier étonné quand ils ont accepté la demande d'interview. C'était passé par les conseillers histoire. J'avais eu au téléphone pour préparer l'interview et tout, mais je me suis dit, ils vont se renseigner sur moi, laisse tomber ça. Le rendez-vous va tomber, puis les jours passaient, tout ça. J'avais un mois, tu vois. Je disais non, ils m'ont toujours pas rappelé, ça va peut-être se faire. Et du coup, l'interview s'est faite et c'était dramatique, de vacuité. Avec un mec sympa, Hollande, qui est très avenant, tout, mais sur le fond, dramatique. Quoi. Et pourtant, j'étais allé le repêcher parce que je montrais qu'il y aurait peut-être besoin de peut-être reprendre un petit peu la barre et pas laisser filer les choses, besoin un peu de radicalité. Et puis, en plus, je me rappelle très bien, je lui ai dit. Si vous étiez le premier à vous dresser contre la finance, à vous dresser contre la libéralisation des services publics, puis de faire vraiment, vous laisseriez une trace formidable dans l'histoire. Toi, je t'en toi, parce que c'est vrai, je pense que mais tu étais sincère. Et il me dit, on peut dire non et puis partir. Et j'ai dit, mais enfin, on peut aussi dire non puis rester. Enfin, c'est pas, tu vois, si t'es président de la République. Enfin, tout était nul, en fait, dans l'interview. Non, mais c'était une défaite du politique, quoi. Ouais, c'était les bras ballants d'un mec qui est là à la tête d'un État et qui dit, je peux rien faire. Et donc, je peux rien faire contre la finance, quoi. Ouais, c'était une sorte de non-sens, quoi. Qui était quand même son ennemi. Alors, il avait dit que la finance était nationale. Oui, bien sûr. Et je me rappelle, on était sortis de cette interview, j'étais avec Fabrice, mon copain producteur. Fabrice était tellement énervé devant la nullité de ses réponses, il voulait prendre les cassettes, il voulait jeter les cassettes, on fait rien, tu vois. Et c'était des cassettes à l'époque. Et je lui ai dit, t'es fou, il faut montrer cette vacuité. C'est vachement intéressant, parce qu'on ne l'avait pas ménagé. C'est vrai que le conseiller en histoire, il faisait un peu la gueule, parce qu'il avait bien vu que ce n'était pas terrible quand même cette interview. Enfin bref, c'était à l'Elysée, c'était plutôt pas mal, comme à titre personnel, comme souvenir. Et puis vous n'avez jamais été invité
J'ai jamais été invité à l'Élysée. Je t'avoue que j'ai pas une grande envie de. Je me méfie des politiques parce que comme je fais toujours des films qui sont pas politiciens et que je fais la chasse à toutes les tirades pour faire des films avec des gens quoi, pas et que j'aime bien l'humain et tout comme ça. Les politiques ont cette capacité de séduction qui fait que des fois il vaut mieux pas trop s'en approcher. Et comme moi en plus, c'est vrai que ce que je fais avec François Ruffin aussi, on fait quand même la chasse à la politique politicienne pour surtout que ce soit les gens qui s'expriment avec leurs mots mais, et qui ne reprennent pas des formules qu'ils ont entendues. C'est sûr, quand si tu vas voir des politiques, tu vas être mangé à cette sauce-là. 2017-2018, donc tu es allé voir un politique et tu as suivi l'insoumis. Mélenchon, ah oui, oui. Mais ouais. 2017, ouais, ouais. Et qui est un séducteur quand même, ouais, qui est un grand ouais. séducteur. Ah, raconte-nous cette aventure Mélenchon. Un personnage formidable de cinéma, donc Mélenchon à l'époque, donc 2017, qui est déjà connu pour Grenier, pour et puis en fait il y avait d'autres. Il était déjà le peuple, non? Ouais, ouais, bah, oui, c'était après le 2012 où c'était le bruit à la fureur. Mais il avait vu mes films, il avait vu La Sociale, il avait vu et donc. Mais tu l'avais interviewé dans les jours dans. Oui, dans les dans jours heureux. Oui, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et il m'aimait plutôt bien. Et puis du coup, je lui dis, est-ce que tu veux que je te suive pendant la campagne? Ils avaient eu plein de propositions qu'ils avaient refusées. Et puis il me dit un coup, on s'était vu à Cannes. Et il me dit, ouais, bah si tu veux, comme ça, si tu veux. Bon, je dis, ok. Puis après, ça passait. Puis on s'est revu après avec Sophia Chikirou, qui était à l'époque ça. Responsable de sa communication, et puis Jean-Luc me dit, bah ok, puis je lui dis, mais il dit, moi, tu sais, je suis chiant, ça se trouve à s'engueuler, et je lui dis, mais je m'en fous. Il se connaît bien. Ouais, non, puis je lui dis, mais moi, je m'en fous, peut-être, mais à la limite, même moi, je viens tout seul, j'ai pas de preneur de son, il n'y a pas d'enjeu. Et puis, si je veux dire, si on s'engueule, je repars en Haute-Savoie avec ma caméra, on s'en fout, on fait pas de film, puis ça s'arrête là. Et du coup, je filme cette campagne avec une liberté, une liberté incroyable. Mais je me retrouve avec toute l'équipe de campagne et c'était formidable d'être, pour quelqu'un qui aime la politique, d'être au cœur d'une campagne comme ça avec un mec qui montait dans les sondages, qui montait et qui tout d'un coup a commencé à faire peur à la finance, aux médias, à tout ça, et qui s'est pris une avalanche sur la dernière semaine de 2017. Il finit par l'empêcher d'accéder au deuxième tour. Mais on a vécu une aventure humaine de copains qui était formidable. Vous avez pu faire ce que vous voulez. Ouais, mais c'est ça. Ouais, non. Non, il n'a pas censuré. Il n'a même pas demandé à voir le film avant qu'il sorte. Je lui ai fait voir par correction. Et ça, c'était, pour moi, c'était impossible dans le monde politique et les enjeux de communication qu'il y a aujourd'hui de pouvoir faire un film comme ça à notre époque. Et parallèlement, le mec qui a fait le film sur Macron. On a comparé nos expériences. Alors là, lui, il s'est fait avoir. Alors, et ils l'ont casté déjà. C'est pas lui qui a demandé. Ils sont allés le chercher. Ils avaient des codes pour savoir quand ils pouvaient filmer et tout. Ils ont fait du storytelling. Ils ont raconté l'histoire du tournage. En fait, c'était pas du tout ça. Et avec un Macron qui savait qu'il avait besoin de cet outil-là, mais qui a juste oublié qu'il y avait un être humain qui faisait le film et qu'on n'avait rien à foutre. Et le film a été diffusé sur TF1. 7 millions de téléspectateurs, je me rappelle. Et tout le monde disait c'est formidable, c'est en toute liberté, on a eu la liberté de faire et tout, tu vois. Et les médias reprenaient tous en boucle ça, c'est, vous allez voir ce truc, il y avait un truc où il y avait Bayrou qui donnait son soutien, enfin bref, voilà. Et eux, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont passé ça, et moi avec la sortie de l'Insoumis, c'était, alors je regrette pas, c'était vraiment super, avec pour le coup un personnage de cinéma. Mélenchon, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu rire, et qui est un mec super quand t'es avec lui, qui était généreux, et puis qui me mette pas de bâton dans les roues. J'ai vécu une expérience, mais par contre la sortie du film avec les emmerdes, les coups tordus, les trucs où on déprogramme ton film, tu sais pas trop pourquoi et tout, ça c'était un peu lourd quand même. Mais de la part des coups tordus, des programmateurs de cinéma. Oui, mais sous pression. Bah alors, il y en avait qui me le disaient sincèrement en disant, voilà, nous on est dans une mairie, telle ou telle étiquette, franchement, le film on l'aime bien parce que c'est un film de cinéma, parce que ce film-là, ce qu'il faut dire, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas Mélenchon, on s'en fout, c'est pas le problème, mais tu le vois comme il est. Après, t'as peut-être envie de le baffer, t'as peut-être envie de rigoler, c'est pas grave, je m'en fous, moi j'ai filmé la campagne telle que je l'ai vécue.
Mais il y avait des endroits où rien que le nom de Mélenchon, et encore plus aujourd'hui, c'était juste rédhibitoire, quoi. Et donc ça a été emmerdant. Et y compris, évidemment, alors c'est souvent des mairies de la gauche molle, ou en tout cas, ou quand il y avait des problèmes avec des programmateurs de cinéma, c'est des programmateurs de cinéma qui se revendiquent comme étant de gauche, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, les MK2 et compagnie, tout ça. Oui. Non, c'était raide. Mais après, c'était raide parce que moi, ça m'a aguerri, peut-être, ouais, aussi. Ça m'a blessé sur un truc où on regarde pas mon film. Oui. Et ça m'a blessé dans le sens où, tu vois, il y a des cinémas réessais. Moi, je me déplace énormément avec mes films. Le dernier, on a fait 120 dans 120 cinémas différents, tu vois. Donc, et quand tu sais que c'est des gens où je suis déjà allé 4-5 fois dans des cinémas réessais, tu viens, c'est bénévole, hein, c'est bon, qu'on n'est pas payé, qu'on va faire les trucs, quoi. Et puis que tu vois que ces gens-là, par règlement de compte politique, ils me font pas confiance, ils regardent même pas le film, mais ils ne le programment pas. C'est un peu... on est dans un truc de cinéma à réessai qui est quand même précaire, donc si en plus on... Oui, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire, ou si on renvoie pas la balle. Oui, bah après c'était un sujet éminemment politique, et je pense qu'il faut pas le prendre non, personnellement, mais... Toi, tu vas avec ta carte de réalisateur, quoi. Ouais, tu vas pas avec ta carte de militant, quoi. Donc, évidemment que t'es déjà... Après, moi, je dis toujours d'où je parle. Les gens, ils savent que j'allais voter pour lui. Jamais de la vie, je vais me cacher derrière une carte de presse. Moi, ma subjectivité, je la revendique à fond dans les films. Et donc, après Mélenchon, Ruffin, donc. Ouais, mais Ruffin, c'est différent, parce qu'avec Ruffin, on se connaît depuis... Ouais. Et puis, on se connaissait depuis 2004. Donc le premier jour qu'on s'est vu, c'était à Chamonix. Lui, il faisait un reportage pour France Inter, pour la Bastille du Cire. Moi, je faisais un reportage c'était sur les opposants autour des camions au tunnel du Mont-Blanc. Il sort même, il dormait à la maison, dans la chambre de Maëlle. Et on s'est jamais vraiment quitté. On est toujours resté. Mais alors lui, à faire son petit bazar à Amiens, un fakir, et dans la survie. Moi, essayer de faire des films indépendants en restant un peu Haute-Savoie. Oui, donc vous êtes venu un peu grandir. Et puis, avec beaucoup de respect pour le travail de l'un et de l'autre, parce qu'on sait ce que c'est que de vouloir être indépendant quand t'es pas à Paris et que tu veux garder ta ligne. Et on avait toujours dit qu'on ferait un truc ensemble, et puis voilà. Et puis bon, moi, sa façon de faire de la politique et sa façon de toujours repartir du terrain, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis admiratif de Mélenchon, qui arrive à théoriser l'ensemble de la planète et de regarder de haut, et qui est quand même une bête politique. Et François, la démarche inverse, qui moi me correspond plus, parce que j'ai pas le bagage intellectuel de... voilà. Et donc on s'est bien entendu, et en fait c'est le mouvement des Gilets jaunes qui a fait qu'on est partis tous les deux sur les routes, alors que lui voulait aller écrire un bouquin, qu'il pensait que de toute façon il pourrait jamais faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, et puis que dans l'urgence on part tous les deux en bagnole, et en 6 jours on fait le film. On tourne quasiment jour et nuit, et dans un moment particulier, et avec maintenant avec le recul, avec, ouais, c'est peut-être con de dire ça, mais une certaine fierté d'avoir laissé une trace de ce moment-là particulier dans notre pays, à un moment où il y avait un mépris qui était porté sur ce mouvement des Gilets jaunes, aussi par une partie de la gauche, même surtout parce qu'ils étaient incultes, parce que c'était du Front National, parce que c'était... et puis les médias qui bombardaient, que c'était des violents, des trucs. Et un mouvement de province qui venait pas de Paris, donc les médias n'ont absolument rien compris. Donc du coup, nous, on a documenté ce moment-là, et avec très content. C'était assez fou de voir dans les médias l'ignorance, et puis le mal. C'était spectaculaire, quoi. Il y a eu le mépris culturel, le mépris de classe, mais en même temps ils ne comprenaient pas, en fait. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et qui étaient ces gens, en fait. Mais c'était un peu plus que Paris-Province. C'était vraiment Paris, et puis une sorte de lumpen, quelque chose, de gens qui... Mais qui sont ces gens? Mais de quoi ils parlent? Mais quelles sont leurs vies? Mais une fin de mois? Qu'est-ce que c'est? Toutes ces choses-là. Mais tu vois, c'était déjà les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on répond pas à ces gens-là dans l'urgence. On les brutalise, martyrise. On les terrorise, et on répond pas, et donc on les jette dans les bras du Rassemblement National. Et il y en avait déjà sur place, je vais pas dire qu'il y a pas des gens, mais il y avait toutes les tendances sur les ronds-points, franchement. Mais là, avec comme ils ont été traités, et comme on a absolument amené aucune réponse, et qu'ils sont repartis chez eux dégoûtés de la vie, avec la peur au ventre,
Eh ben, qu'est-ce que tu veux que ça, ça soit pas, ça, ça se ressurgisse pas à un moment donné dans l'envie de tout y casser et de faire chier Macron et sa bande. Tout. Mais voilà, c'est encore, on repousse, mais on a franchi un palier et puis c'était quand même un moment de notre histoire qui était quand même, on n'a jamais vécu des trucs pareils. Quand ils sont allés défoncer le ministère avec le Fenwick, putain, mais c'était quand même, ils ont eu peur. Et c'est là que tu vois aussi, c'était une belle leçon politique ce mouvement des Gilets jaunes, parce que la seule fois où Macron a lâché des grosses primes, c'est quand même par la trouille. Et c'est quand même dans le rapport de force que ça se passe. Il faut juste qu'il y ait 20 éborgnés et je sais pas combien de mains arrachées pour. Mais. Oui, non, c'était. Oui, c'était un moment politique. Ouais, donc, je veux du soleil, debout les femmes avec François, et après, une envie de fiction. Première fiction. J'allais dire vrai film de cinéma, pas du tout. Non, mais. Non, de casser tout, toi. On peut croire que je suis un vrai cinéaste. Ton premier film, 2022. Attention. Première avec des comédiens, avec des. Tu vois, je sais que tu me tapines. Déjà, je ne mets pas sur un piédestal la fiction par rapport au doc, pas du tout. Je pense qu'on peut faire des plus belles choses en doc et aller plus profondément sur certains trucs et vice-versa aussi parce que la fiction elle vient pas d'une envie de se dire bah, maintenant je suis grand, je vais pouvoir faire une fiction. C'était vraiment de vouloir raconter une histoire qui était difficile à raconter en doc puis d'amener des solutions et la fiction elle te permet ça, elle te permet de... On reste dans la même thématique. Oui, on reste dans la même thématique. Ouais. Non mais il y a un rapport quand même à des comédiens qui sont des comédiens, Laetitia Doche, de la Donchamp, des comédiens dont c'est le métier. Il y a une question nouvelle qui se pose quand même de direction d'acteur. Je pensais que ça devait être peut-être que titiller. Mais bon, déjà, j'aurais jamais fait une fiction si j'avais pas eu Marion avec moi pour. Alors, qui aurait dû être présente, t'as co-scénariste. Ouais, et qui. Parce que moi, je m'estimais absolument pas légitime d'aller mettre les pieds dans le bazar. Ma question n'était quand même pas totalement... Non, parce que pour moi, même aujourd'hui, je sais pas si je fais vraiment partie du monde du cinéma, mais enfin bref, ça c'est autre chose. Ça vient de loin, mais bon, bref. Et donc, effectivement, la grande inconnue, c'était la direction d'acteur et comment ça va se passer avec les comédiens. Mais en même temps, si je fais de la fiction, c'est pas pour dire je vais faire mon film, tout le monde derrière moi. Fallait que ce soit collectif, il fallait faire avec des gens avec qui ça matchait bien. Donc le casting, il s'est plus fait au feeling qu'à la tête d'affiche et au truc. Fallait que ça matche. Ah oui. Ok. Et d'ailleurs, ça se sent dans le. Enfin, j'espère que ça se sent dans le film. C'est un film d'équipe qui a été jouissif et puis avec des gens qui avaient envie de porter cette idée-là. Puis on avait quand même une force par rapport aux comédiens. Accepter quand même de venir jouer dans ce film avec des cachets moins élevés que ce qu'ils prennent d'habitude et tout ça, mais on avait une force, c'est que c'était pas nous qui venions tourner une fiction dans des milieux qu'ils connaissent, c'est qu'on les immergeait dans notre milieu à nous. Dans les usines, moi j'ai travaillé. Dans les bistrots, on allait boire des coups, sur les falaises où je suis allé grimper, c'était vraiment. Donc en fait, ils adorent parce que là ils savaient qu'il fallait, moi c'était ma seule ambition, c'était d'être le plus juste possible. Je saurais pas faire tout ce que plein de cinéastes savent faire en inventant des histoires formidables qui sortent de leur cerveau. Moi je le laisse tomber, moi il fallait que ce soit inspiré par le réel, et là on les a immergés dans notre truc et ils ont vraiment bien joué le jeu et eux je pense que c'était plaisant aussi de se sortir de scénarios qui se passent justement souvent à Paris, qu'il y a des psys, qu'il y a des beaux-arts machin, des trucs. Et là, ils étaient dans la réalité du monde industriel et du monde de la montagne. Donc c'était super chouette. Et le fait d'avoir construit, on est encore tous en lien quasiment avec les comédiens, avec l'équipe technique. Et ça a créé vraiment une sculpture dans le monde du cinéma. C'est plutôt chouette. C'est pas si fréquent que ça. Donc un bon souvenir, une belle expérience. On écrit le prochain. D'accord. Avec Marion, ça prend du temps et voilà. Non, mais je reviens quand même à cette question-là de vrai film ou quoi que ce soit, mais
dans la démarche et dans l'envie, c'est quand même pas la même. J'imagine que c'est quand même pas la même préparation. Non, le travail d'écriture, le travail de préparation, même au niveau des techniciens et de la taille de l'équipe, on n'est quand même pas dans le même format. Non, c'est sûr que là, j'ai l'air de faire le malin comme si c'était rien, mais le premier jour de tournage, quand tu vois qu'il y a 40 personnes qui sont là, les comédiens, puis que tu dois faire croire que tu maîtrises tout. Mais oui, je pense que ça devait être différent de caméra au point avec. Je crois qu'il y a eu un public un peu différent, mais honnêtement, il aurait fallu faire une étude. Mais nous, c'était le but aussi, parce que moi, si je fais du cinéma, c'est quand même pour essayer de faire de la politique, quand même. Enfin, d'amener des thèmes de discussion, faire du cinéma pour faire du cinéma, très bien, mais bon, si on met pas des thèmes de discussion sur la table dans les films, pour moi, dans ce que j'aime faire, je vois pas l'intérêt. Même si je suis capable d'aller voir des films qui ne portent pas ça, c'est pas, je ne porte pas de jugement de valeur, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et donc là, on a retrouvé quand même des gens qui avaient envie de se poser ces questions-là, et surtout ça permettait dans cette fiction-là d'amener des solutions dans un monde où on était toujours et plus rien n'est possible. Ouais, pour rappel, c'est quand même des employés d'une entreprise qui va être rachetée par un fonds d'investissement, qui décident eux-mêmes de reprendre la main sur jouer ce jeu-là de la finance et de monter une sorte de faux fonds d'investissement et de racheter l'entreprise. Ouais, quoi. Pareil, la méthode des LBO. Non. Non, mais c'est jouable. C'est possible. C'est ce que je m'amusais à dire, c'est qu'allez-y, quoi, parce que les financiers, ils amènent pas de fonds, ils achètent avec les fonds des autres. Donc tant qu'à pas avoir de fonds, on n'est pas plus con qu'eux, tu peux le faire. C'était un peu ça le raisonnement du film. Mais c'est quand même basé sur une histoire d'amitié, de copains un peu lourdingues parfois, mais qui aiment, qui ont pas envie d'aller travailler à perpète, qui ont juste envie de vivent dignement de leur travail, là où ils ont leurs copains, où ils ont leur famille. C'est pas des gros ambitieux, mais enfin, c'est juste de dire au bout d'un moment, ils sont là, les financiers, ils savent même pas qui on est, ils prennent des richesses, on n'est pas plus con qu'eux, on va se démerder tout seul. Quoi. Moi, c'est une idée qui me plaît bien. On va développer dans la prochaine fiction aussi. Et donc, après Reprise en main, on arrive à La Ferme des Bertrands. La Ferme des Bertrands. La Ferme là, des Bertrands. Le Graal, là tu vois, là, c'est là que je suis devenu un cinéaste. Là, c'est ce que tu as vu dans la presse, c'est ça? Ouais. Non, sérieusement? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Alors que c'est ton dixième film, quinzième film. C'est le dixième film qui sort au ciné, ou onzième. Oui. Et avec quand même globalement des critiques qui n'étaient pas trop pourries sur les autres films, tu vois. Plutôt pas mal, mais là, il y a une phrase, il faudrait que je l'apprenne par cœur parce qu'elle est un peu tarabiscotée. Là, j'ai oublié un peu depuis, mais c'est. À force de filmer le réel, on avait oublié que Gilles Perret était aussi un cinéaste. Un peu comme ça. Genre avant. C'est des compliments dont tu te passerais. En plus, je pense que c'était pas méchant. Mais non. Ça en dit long sur comment on regardait mon travail. Oui, voilà. C'est le mec de province qui fait des films sur des questions sociales, sur le monde ouvrier, qui fait du doc, et puis voilà, et puis en plus, il fait plus de politique que de cinéma, enfin, tu vois, donc... Et donc là, ben, les gens ont été touchés, émus par ce film, effectivement. Mais parce que, pour raconter ce film-là que plein de gens ont vu, mais sur cette ferme-là, de frères qui étaient tes voisins, et c'est l'histoire d'une ferme sur presque un demi-siècle, 50 ans, c'est ça. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir comme la façon dont tu as un matériau d'archives de ces frères qui ont été filmés dans les années 70. Tu as ce que tu as filmé, ce qui était un de tes premiers films dans les années 97. Et tu es retourné filmer. Donc il y a vraiment ces trois périodes qui correspondent à trois générations. Et le film vraiment voyage de manière très subtile et très c'est très construit entre ces trois périodes avec énormément au final pas mal de personnages raconte-nous l'histoire de ce projet et comment ça t'est venu parce que 72 ça existait, c'était des archives, c'était le film de Marcel Trier. 97 c'était ton premier film donc ça c'était déjà sorti et donc il y a une sorte de date anniversaire ou comment, qu'est-ce que tu un peu, mais c'est un peu le hasard quand même. Non, c'est
moi, quand je fais ce premier film, j'étais caméraman plutôt d'actualité pour les autres, et je connaissais vraiment rien. Je dis souvent, mais je le répète, parce que c'est pas des conneries, je connaissais même pas le mot documentaire. Et j'avais envie, j'en avais marre de faire de l'actualité, j'avais des voisins formidables, avec qui j'ai grandi, on était sur les tracteurs avec eux et tout ça, et qui avaient une réflexion sur la vie, sur le travail et tout ça. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller les filmer sur un an, au moment où ils passaient la main à la génération d'après, à un neveu et sa femme, eux, étant célibataires. Et je filme ce film sur 4 saisons, tant bien que mal, parce que j'empruntais une caméra quand elle était dispo et tout, il n'y avait pas de matériel professionnel dispo comme ça à l'époque. Et ce film, il sort, et c'est un copain qui me dit, c'est un documentaire que tu as fait, et tout. Je dis, d'accord, donc on va le proposer à des festivals documentaires. Et il a été primé dans quelques festivals, et c'est ce film-là qui m'a permis de faire les suivants. Mais en même temps, personne ne l'avait vu, à part chez nous, dans les salles des fêtes et tout ça. C'est un film qui est resté... mais nous, il avait marqué les gens, tu vois. C'est vrai que c'est un film... on m'en parlait encore 20 ans après, tu vois. On a des voisins, Steph et Fab, tout ça, ils connaissent les répliques par cœur encore de ce film. Moi, j'adore les enfants qui présentent. Les passages avec les enfants sont super touchants parce qu'elles sont incroyables. Et c'est très moteur aussi dans la, parce qu'on arrive à identifier qui est qui. C'est super. Et donc, l'idée de refaire un film, c'est de se dire, c'est quand même con, ce film-là, il a marqué les gens. Personne ne l'a vu. Donc, avec Marion, on s'est dit, ce serait bien de le ressortir, mais plutôt que de faire une simple ressortie, maintenant qu'on se connaît quand même un peu plus en cinéma et en documentaire, parce que maintenant je connais le mot, on va retourner, puisque nous, j'habite toujours là-bas, j'ai jamais bougé de ce hameau de 60 habitants, donc les voisins, Bertrand, sont toujours là, maintenant c'est une génération de plus. En plus, il y avait la nouvelle génération qui arrivait, Hélène, qu'on a filmée au moment où elle prenait la suite en 1997, maintenant c'est elle qui part à la retraite. Ils vont la remplacer par des robots de traite, donc là tu te dis, c'est le moment d'y aller. Alors qu'on avait, c'était déjà dans notre tête en disant, faudrait le ressortir. Puis là, quand elle nous a dit, il y a eu des événements particuliers, on s'est dit, il faut plus hésiter, faut y aller. Et avec l'agréable surprise de retrouver une génération de jeunes qui ont ça dans la famille, de la capacité d'expliquer les choses, qui sont pas des. Qu'ont un recul sur leur métier, sur les générations, de la reconnaissance par rapport aux générations. La reconnaissance, c'est en même temps qu'ils ont absorbé la technicité, évidemment, de leur temps, qui ont une vraie expertise. Et c'est assez, je trouve que c'est ce qui est assez beau, c'est de voir que ils sont forts, ils s'y connaissent vraiment. Ils ont intégré l'héritage de ce qu'ont fait leurs aînés, et en même temps, ils sont vraiment dans avec leur machine aussi à optimiser. Et aussi à se dégager du temps libre, parce que la vie, c'est pas. J'ai eu des discussions qui étaient assez compliquées avec des gens qui sont plutôt écolos, qui viennent voir mes films par ailleurs et tout comme ça, qui avaient du mal avec les robots de traite, tout ça, en se disant, oulala, c'est la technologie qui arrive, on s'éloigne du vivant et tout. Et en fait, je leur disais, moi, ça m'intéresse, la nature et tout comme ça, mais quand on peut préserver aussi les corps des êtres humains, des trucs qu'on peut améliorer, c'est pas parce qu'on est paysan qu'on n'a pas le droit à bénéficier d'un peu de tu vois. Et c'est vrai que ça bousculait un petit peu, et j'étais un petit peu surpris des fois de réactions qui étaient un petit peu bizarres. Et ça, c'est pour ça que c'est un film qui est assez consensuel, parce qu'on a beaucoup de gens ont des origines agricoles et se sont retrouvés dans ces histoires de transmission et tout, mais il y a deux, trois aspects qui bousculent un petit peu sur le fait que la technologie n'est pas forcément l'ennemi de l'environnement, parce qu'on est dans une famille qui justement prend soin de la nature, font gaffe, mais ils sont aidés par les outils. Ils ont les machines modernes pour faucher, etc. Ouais. Mais l'un des trois frères, je ne sais plus lequel, il prend la faux quand même, puis il va faire le tour de l'arbre, et on lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. C'est plus propre. Et ça, c'est un truc vraiment qui est typique du monde paysan, de celui que j'ai connu, en tout cas. Mais du coup, ce film m'a touché très bien. Mon angoisse... mon angoisse, ça va, je pense qu'il y a plus d'angoisse que moi, mais enfin... Donc ton souci, quoi. Le souci, c'est de se dire, ce film,
il touche le monde rural, mais on est nombreux à avoir un oncle, un grand-père, une grand-mère, enfin, bref, dans le monde rural, et donc ça devrait toucher. Mais c'est, est-ce que si on se rate au démarrage du film, il va pas aller dans les petits cinémas de campagne, de trucs, et on va se couper de tout un public potentiel. Et c'est vrai que le constat, c'est que ça s'est très très bien déroulé, parce que je crois qu'il y a 1400 ou 1500 cinémas qui l'ont passé. C'est énorme, en fait. Et c'est vraiment aller dans les villages et tout, et c'est super chouette. Parce que justement, tu l'as accompagné. Oui, bien sûr. On a fait 120 soirées débat. Tu vois. Et en entrée, en nombre d'entrées, on est à 250 000. Waouh, wow. Ouais. C'est beau. Ouais, 250. Et puis là, on a des bonnes nouvelles. Il est dans les comment on appelle ça, lycéens au cinéma. D'accord. Okay. À la rentrée sur 2 ans sur Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et donc c'est beaucoup de jeunes qui vont aller le voir. Donc c'est chouette. Ouais. Non, franchement, c'était inespéré. Aujourd'hui, faire 250 000 spectateurs sur un documentaire, c'est beaucoup dans la période où on est, sur un thème qui est... Bon, l'agriculture, ça plaît naturellement, mais là, on est un peu sur autre chose. On n'est pas sur l'expérimentation bio. Enfin, toi, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, sur retour à la terre et tout ça. Là, on est dans une ferme moyenne qui n'est pas en bio, mais qui est quand même dans une terre d'appellation d'origine protégée, qui fait qu'il y a plein de règles de production qui préservent le territoire et tout, qui fait que ces paysans vivent bien. Donc en fait, ça allait aussi à l'encontre de l'ère du temps. C'est des paysans qui vivent bien et qui sont contents et fiers de leur métier. Et ça, c'est pas ce qu'on entend habituellement. Donc c'est vrai que c'est un film qui... Je me disais, bon, comment ça va être perçu? Puis finalement, il y a eu un enthousiasme qui était... Mais tu t'es posé la question de l'image, la représentation de c'est ce que tu viens d'y répondre en quelque sorte, mais de qu'est-ce que c'est être paysan aujourd'hui, quoi, ou qu'est-ce que de pas être dans la carte postale ou dans... Nous, le risque, c'est ça. Le risque, surtout chez nous, on a quand même des paysages qui sont pas dégueulasses. Les films qui sont faits sur l'agriculture chez nous, ce sont souvent des cartes postales. C'est comme tu vis dans un beau paysage, tu as du reblochon, des petites fleurs, paysan, c'est agréable, et puis on va te raconter la belle histoire. Sauf que l'histoire des Bertrands, il y a des belles choses, mais il y a des choses très dures. La génération d'avant se sont rincés au travail, ils meurent jeunes, enfin tu vois, c'est quand même, c'est pas qu'une belle histoire. Donc moi, c'est ce qui m'apporte dans tous mes films, c'est d'être le plus vrai, le plus réaliste possible, et après t'en fais ce que tu veux. Mais surtout pas trahir la vérité, surtout pas trahir la parole des gens. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de commentaires, et les gens, les spectateurs sont suffisamment malins pour se faire une opinion par rapport à tout ça. Moi, ce que je trouve très fort et original, et voilà, ce que j'aime beaucoup dans ton film, c'est que déjà, on voit des gens au travail, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est concrètement, quelqu'un qui est au travail et qui parle sur son lieu de travail avec son outil de travail. Il y a des postures, il y a des gestes et tout ça, ça j'aime beaucoup. Et c'est des gens qui ont une attitude réflexive, c'est-à-dire qui sur leur vie, sur ce qu'ils sont, et c'est impressionnant de voir, de les voir quelque part philosopher ou être très lucides sur leur vie et sur la dureté de leur métier, sur les choix qu'ils ont faits. Et c'est ce qu'ils auraient pu faire, mais ce qu'ils ont fait, y a des réflexions comme ça. Bon, je pense surtout aux frères, aux générations d'avant. Et troisième chose, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon de filmer les corps. Les corps sont filmés, parce que c'est des corps qui sont... Ils sont pas meurtris, ils sont cassés, quoi, au bout d'un moment, parce que c'est des corps qui ont été au travail et des conditions de travail dures. Mais c'est pas larmoyant, c'est pas tire l'arme, c'est pas le sujet, mais c'est pas ton regard, si tu veux. Donc je trouve qu'il y a toutes ces entrées qui font que le film est riche, quoi. Et moi j'aime bien ça. Mais l'intime, ma question surtout c'était l'intime. Comment les faire parler quelque part? On a toujours l'image d'un paysan taiseux comme ça. On se connaît quand même très bien. Eux, ils ont confiance en moi. C'est sûr que si c'est quelqu'un d'autre, ça se passe pas comme ça. Bien sûr. Mais il y a aussi une façon d'aborder les choses. Et tu viens d'en révéler une, c'est que moi ça m'arrive très très peu souvent d'asseoir quelqu'un sur une chaise puis de leur dire maintenant vas-y raconte-moi ta vie, ton œuvre. Là ils sont filmés dans le travail, donc quand t'es en train de faire des choses pour parler, pour expliquer ta vie, ça va mieux parce que t'as moins l'impression d'être sous un regard inquisiteur de la caméra, et moi j'aime bien ça parce que du coup tu vois le... Alors c'est pas le plus facile à monter, mais c'est là que tu fais du cinéma, quoi. J'ai l'impression. Moi, c'est des gestes que j'adore. Et toi, les films que je fais avec François Ruffin, c'est pareil. On ne refait jamais rien et on est dans le travail, dans l'action tout le temps. Pas poser les gens, mais allez, paf, on y va. Y compris dans des situations qui peuvent être rocambolesques pour filmer. Alors c'est pas toujours bien cadré. On se démerde comme on peut, mais en même temps, on ne refait rien et on
on est dans l'action. Et là, dans l'action, là, les langues se délient plus facilement. Puis dans la proximité, dans la confiance. Et toi, quand tu viens avec une petite caméra, on est, c'est pas Hollywood qui débarque, ça change tout aussi dans le rapport aux gens. Toi, t'es pas... faut pas se prendre pour ceux qu'on n'est pas, c'est se mettre au niveau des gens, et puis il y a un procédé qui est assez simple, et puis il faut être comme t'es dans la vie avec la caméra. Mais c'est comment elle, ce personnage, comment elle s'appelle, qui part à la retraite là au début du film, Hélène, moi j'aime beaucoup comment tu la filmes, et comment elle aide, bon, j'ai une cousine, ma mère qui est pas, qui est, voilà, j'ai des origines paysannes aussi, mais j'ai retrouvé des gestes et des façons de parler, de se livrer de manière très intime, mais avec en tenant un truc, en regardant pas forcément la caméra, mais et en fait moi ça me touche beaucoup parce que ça, je connais ces gens, en fait je connais intimement, et je vois qu'il y a des choses qui sont données comme ça, super personnelles, mine de rien, et ça, tu sais que c'est pas du, pour le coup c'est pas du cinéma, quoi. Non, une idée, un sentiment. On a un début, et au début, on sait jusqu'où on va aller et où ça va s'arrêter. Il y a un début, une fin dans la pensée. Oui, tout à fait. Et ça part pas. Moi j'aime bien. Je le rends hommage à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Mais bon, faut être là au bon moment aussi, pour être dans l'état d'esprit et tout ça, pour que ça se... pour que ça matche, pour que ça marche. Et puis il faut de la confiance. Moi, je filme plutôt des gens que j'aime bien. Les ouvriers, je les aime bien. Carrément. Mais et puis avec la chance quand même de bénéficier de ces images d'archives de 1972. Incroyable, qui incroyable. Sont quand même. Mais parle-nous de ça aussi, de ces reportages. C'était, de... c'était Marcel Trias qui avait cette approche-là aussi. Non, Marcel qui était un documentaire. Et donc lui, et qui a fait beaucoup de. Et donc, j'aurais pu tomber sur des archives, enfin des journalistes qui auraient pu venir filmer mes voisins, qui auraient fait un truc de journaliste avec du commentaire, comme on voit les films d'archives d'époque. Là, on tombe sur des archives, mais en même temps, qui laissent les gens s'exprimer, qui les filment au travail et tout. Et ces archives, elles sont formidables. Donc, je suis conscient aussi de la chance qu'on a. Les questions qu'ils posent, c'est énorme. Ils sont en train de casser des cailloux. On est en train de parler, déjà ces trois hommes, ils sont, je trouve, super beaux, ils sont musclés, ils sont d'une lucidité sur leur vie et sur là où ils en sont de leur existence. C'est complètement bouleversant, sur l'exode rural, sur le fait de pas, c'est pas des petites questions, c'est ne pas construire de famille, tout consacrer au travail, et le choisir, et en même temps pas être dupe de que c'est pas une vie et qu'on travaille trop, entendre des choses là, mais on travaille trop, des choses, je sais pas, des propos, mais qui sont d'une intelligence, carrément. Et puis le fait de travailler ensemble aussi, ce qu'ils disent sur travailler ensemble, sur la confiance et tout le respect mutuel et tout, malaise. C'est fort, quoi. C'est pour ça que le film a marché. Ça repose aussi sur la force de ces personnages-là. Ils sont, c'est des vies. Je sais pas, il y a quelque chose qui est inspirant aussi. Aujourd'hui, même dans nos vies, on voit des parcours comme ça. Et c'est pas victimisé. Non, il fallait pas faire. C'est pas victimisant en disant les pauvres, qu'on soit loin d'eux. Non, t'as plutôt envie de venir les voir et de venir discuter avec eux. Mais Marcel Trias, donc quand il est venu les filmer, toi tu t'en souviens ou... En fait, j'avais 4 ans. Donc, j'étais quand même... Mais ça avait quand même marqué le village, le hameau, en 1972. Faut voir où on habite, toujours, mais. On est quand même déjà un peu, quand même un peu loin de tout. Et là, il y avait la télé qui était venue à Quincy, donc c'était quand même le gros événement dont les gens parlaient. Et mon père disait, il y a les Bertrands qui vont passer à la télé, et tout ça. Et donc moi, ça m'était resté, mais je ne me rappelais plus du tout du contenu. Donc quand j'ai retrouvé les archives qui n'étaient pas classées à l'INA, quel bonheur de retomber là-dessus. De tout ce dont on vient de discuter, quoi. De la qualité des archives, des discussions et tout ça. Donc, mais moi, je m'en souvenais. Marcel Trias avait mangé la fondue chez là où j'habite, dans la maison où j'habite maintenant, au bistrot de ma grand-mère. Et il avait passé la soirée avec les Bertrands, avec mon père, avec tout ça. Mais c'était un journaliste reconnu à l'époque ou c'était Non, pas du tout. Il était classé déjà au PC, j'imagine, puisque c'était une boîte qui s'appelait Scope Color, qui était une Scope qui avait fait le reportage. Mais en même temps, c'était pour les paysans. C'était des programmes pour les paysans qui étaient diffusés l'après-midi sur le canal de FR3. Mais c'était pas la télé, c'était pas la télévision, l'ORTF, quoi. C'était un truc à part déjà. Et donc je sais pas de quoi il vivait à l'époque, à mon avis, tout comme ça. C'était avant qu'il rentre. Non, il s'était déjà fait virer en 68 de la télé,
Donc du coup, il devait faire des piges comme ça, des trucs pour des programmes à part, puisqu'il s'était fait virer. Donc ouais, c'était cette époque-là. Juste une dernière question après. Mais le film a été comment le film a été reçu dans ta région? J'imagine que tu l'as montré, que ça. C'était l'occasion d'une séance spéciale quand même. Oui. Puis si on fait la proportion de spectateurs qu'il y a eu en Haute-Savoie ou dans notre vallée par rapport au reste de la France, on devrait être à 10 millions de spectateurs. Ah ouais. Non, c'était vraiment chouette. Comment ils ont reçu le film, quoi? Très bien. Alors, vous pouvez que me faire confiance, mais ils l'ont regardé. On leur a fait une séance pour eux dans un petit cinéma itinérant qui est vers chez nous. Et ils ont regardé ça avec beaucoup de recul, d'analyse tout de suite, comme ils sont dans le film, toi. Marc et Alex, déjà. Dire ouais non mais c'est bien parce que voilà l'image qu'on donne de l'agriculture parce que toi c'est pas très analytique, c'est pas se dire putain mais merde pourquoi j'ai les cheveux tout ébouriffés sur cette scène je posais comme question quand tu te vois à la télé ou au cinéma tu dis merde pourquoi une génération qui est familiarisée avec tu vas t'exposer comme ça c'était vraiment chouette. Donc on a passé vraiment du bon temps, et puis surtout on avait fait quand même la première. Après on a fait la première projection publique dans l'étable, avec les vaches autour, donc on les avait barricadées un peu quand même, ça c'était pour moi le plus beau souvenir de ma carrière. Parce que là il y avait tout le village, il y avait des copains, il y avait les voisins, il y avait des copains, il y avait 200 personnes avec les gamins qui étaient là sur les bottes de foin et tout. Et les vaches qui répondaient à leur prénom quand Marc les appelle dans le film, toi, il y avait l'odeur, il y avait et une émotion de dingue. Et là, moi je le dis souvent, ça m'émeut quand j'en reparle et encore, toi, de voir pourquoi tu fais ce boulot-là, c'est de restituer leur histoire à ces gens-là, parce qu'il y en a plein qui se sont identifiés. Puis tu dis putain, voilà pourquoi on fait du cinéma, parce que là on se trompe pas. Et puis on, parce que c'est moi ce qui m'angoisse le plus, c'est le jour où je me tromperais et que j'aurais l'impression de parler de ce que je connais et qu'en fait non, t'es passé à autre chose. Il y a un moment donné, il y a des cinéastes, il ferait bien soit d'arrêter, soit de changer, parce que quand t'es plus dedans, t'es plus dedans. Donc faut, et là c'était magnifique, l'émotion suscitée. Et même dans le lendemain, on mangeait tous ensemble dans le village, parce que chaque année on fait 2-3 jours de cinéma, théâtre, de trucs ensemble. Et le fait que les Bertrand se soient lâchés comme ça dans la parole, ça libérait aussi la parole aux autres. Le lendemain, il y avait plein de discussions, plutôt de l'ordre de l'intime, ce qu'on n'a pas forcément quand tu fais une fête de village, quand t'es pas là. Donc c'était chouette. Bon, bah merci beaucoup. Je vais pouvoir finir ma dédicace. Vas-y, finis ta dédicace. C'est bon pour moi. Génial. Non, merci.